Bonjour à tous. Donc, je me présente effectivement Alain Wagner, président de l'ICLA, International Civil Liberty Alliance, et nous intervenons dans les milieux internationaux, notamment l'OSCE, l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération en Europe, sur des sujets tels que les violations à la liberté d'expression ou les tentatives de violation et de restriction de la liberté d'expression impulsées par des acteurs internationaux très puissants comme l'OCI, l'Organisation de la Coopération Islamique, qui tend à vouloir restreindre la liberté d'expression en Occident sur tous les sujets qui ont un rapport avec l'islam. L'islam radical, l'expression semble familière. On la rencontre régulièrement dans les médias, mais rarement avec une définition précise. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'islam radical? Dans la société actuelle, dès que le mot « islam » est prononcé, des lumières rouges s'allument, le taux d'adrénaline monte et les mains s'approchent des boutons rouges d'alarme. Attention. La raison évidente qui nous rassemble ici pour ce colloque, c'est que la montée en puissance dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays, de ce qu'on appelle l'islam radical, donc d'un islam qui est fidèle à ses racines, fidèle à l'intégralité de sa doctrine, une telle montée en puissance inquiète. Le sujet est considéré comme politiquement sensible par la totalité des médias et de ceux qui et de la classe politique. Du coup, une grande majorité de ceux qui évoquent le sujet de l'islam et s'en tiennent à des déclarations convenues, dont rien ne dépasse des bornes de ce qu'il est appelé, de ce qu'il est communément appelé le politiquement correct. Alors, avertissement, ceux qui me connaissent savent ce que je pense du politiquement correct. C'est l'imposition d'un point de vue déclaré correct au détriment de la réalité. Le politiquement correct, c'est non seulement une insulte à l'intelligence, mais en plus une atteinte au pilier central de la démocratie, qui est la liberté d'expression. Donc, dans mon intervention, n'attendez aucun politiquement correct. Si c'était le cas, vous avez encore le temps de sortir de la salle en courant, parce qu'il n'y en aura pas. Alors, islam radical. Commençons par les choses qui fâchent pas trop. Radical, c'est assez facile à définir. Le dictionnaire nous dit, du latin médiéval radicalis, radix, racine, qui appartient à la nature profonde, à l'essence d'un être ou d'une chose, et qui présente un caractère absolu, total ou définitif. Islam, maintenant. L'islam, c'est un peu plus complexe. Mais au fond, seules trois choses sont importantes à considérer si on veut discuter utilement de l'impact de l'islam sur nos sociétés. Première chose, c'est la partie doctrinale de l'islam. Son contenu, ses prescriptions, ses règles normatives. Deuxième chose, ce sont les actes des individus et des organisations et des États qui se considèrent comme membres de la communauté musulmane. Et enfin, c'est la relation entre les deux autres, le degré d'influence que peut avoir la doctrine musulmane sur les actes de ceux qui y sont exposés ou s'en réclament. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le concept de radicalité. Pour entrer vraiment dans le vif du sujet, il faut le dire franchement, en France, et comme de beaucoup d'autres endroits sur la planète, islam radical est une expression à connotation extrêmement négative. On lui associe la violence, les activités terroristes, le djihad, la haine des juifs, le ravalement des femmes et des homosexuels ainsi que des non-musulmans à un statut inférieur, le rejet de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté religieuse, le rejet général de tout ce qui ne correspond pas aux règles de la charia et la volonté d'imposer ces dernières en remplacement des lois et coutumes locales. Dans l'usage courant, y compris dans les médias, islam radical n'est pas loin d'être devenu le synonyme d'islam extrémiste. Seul le sang versé sépare encore les deux termes, et encore peut-être pas pour très longtemps. Islam radical évoque immanquablement une attitude de ségrégation comportementale, de ségrégation d'attitude, et en tout cas toujours une potentialité de violence. Alors comment peut-on définir exactement ce dont nous avons tous parlé cet après-midi? La définition du mot radical nous indique que l'islam radical est celui qui se réfère de manière absolue à l'essence, aux racines mêmes de l'islam, c'est-à-dire ses fondements, son prophète, sa doctrine, ses règles, sa loi, la charia.
Un islam radical, c'est un islam fidèle à l'islam, non teinté par un autre système de pensée et de référence, tel que le nôtre, par exemple. Bref, c'est un islam qu'on pourrait qualifier de 100% islam. De ce constat, il découle une conséquence logique absolument inévitable. Il est impossible de séparer l'islam radical de l'islam tout court. Il est impossible de séparer les deux, puisque l'islam radical tire toute sa substance de la doctrine islamique. Les deux ne peuvent pas être considérés comme des objets entièrement distincts et séparés. C'est absolument impossible. Il est impossible de parler de l'un sans parler de l'autre. Les deux sont liés. La problématique de l'islam radical n'est pas que le fait d'être radical transforme la nature de l'islam et sa pratique en quelque chose d'autre, de dévoyé, voire de dangereux pour nos sociétés, mais plutôt que le fait d'une pratique radicale, donc plus fidèle à la doctrine islamique, nous révèle les aspects problématiques de la doctrine islamique elle-même. Donc pour dire ça d'une manière peut-être un tout petit peu plus compréhensible, parce que la phrase est compliquée, avoir un islam radical ne le change pas, puisque c'est un retour à la racine, à l'essence même de l'islam. Simplement, un islam radical révèle ce qu'il y a à la racine de l'islam, à la racine de la doctrine islamique. Et donc ces aspects désagréables n'apparaissent pas dans le cadre d'une pratique superficielle, d'une mise en application incomplète de la doctrine. Pratique incomplète d'une doctrine problématique, c'est ce que beaucoup confondent, par ignorance, avec la pratique complète d'une doctrine modérée. Dans les médias et le discours politique imbibé de politiquement correct, alors politiquement correct qui sent très très fort le pétrole et les pétrodollars, dans certains cas, et dans d'autres cas qui sent très fort la sueur âcre de la peur, eh bien on cherche à dissimuler ce fait, à préserver la doctrine islamique, à préserver l'islam tout court en fait, de tout éventuel examen ou critique, en créant une opposition factice, servant de diversion et permettant d'éviter d'aller au fond du problème. Quelle est cette opposition factice? C'est l'opposition entre un islam radical, régulièrement qualifié de inquiétant mais extrêmement minoritaire, avec un islam modéré, autrement appelé l'islam de France, qui serait censé être un islam normal et largement majoritaire dans notre pays. Or, cette opposition islam radical contre islam modéré est une double escroquerie intellectuelle, et elle n'a pas lieu d'être. Première escroquerie, on ne peut comparer que ce qui est comparable et opposer ce qui est opposable. Or, l'islam radical, dit radical, est un mouvement de pensée politico-religieux puissant, collectif, porté par des organisations internationales comme l'OCI, l'Organisation de la Coopération Islamique, et la Confrérie des Frères Musulmans, par exemple. Ce mouvement est financé à hauteur de milliards de dollars. Les différents acteurs de ce mouvement promeuvent une doctrine de la charia parfaitement identifiable, comme notamment dans ce livre, qui est un manuel de charia. On cherche toujours à dire, mais qu'est-ce que la charia? Il faut ouvrir les livres, il y a des manuels de charia. Donc la charia est parfaitement connue, et c'est cette charia qui est promue par ces organisations internationales. Ces organisations sont des irréductibles ennemis de la démocratie et des libertés individuelles. En effet, la charia, il faut le savoir, est incompatible avec les principes démocratiques. Elle est incompatible avec les droits de l'homme. Et ça, ce n'est pas mon opinion, c'est l'opinion de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, le 13 février 2003, dit dans un de ses jugements, la charia est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. Parce que, tout simplement, la charia et le droit qui y est associé détruit les droits de l'homme partout où elle est appliquée. La charia légitime en effet l'usage de la violence pour des raisons religieuses. Et c'est pour cette raison, entre autres, qu'elle est bien évidemment inacceptable chez nous. Et donc, en face de cet islam qui nous est présenté comme radical,
on nous montre des individus ordinaires, sans organisation particulière, ayant la simple particularité d'être de confession musulmane et de vivre dans un pays musulman sans tuer personne. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans cette catégorie. Et donc, toutes ces personnes sont arbitrairement amalgamées et désignées par l'appellation de musulmans modérés. Et nous sommes censés déduire de ça, de ce tour de passe-passe sémantique, qu'il existe un islam doctrinairement modéré et que la dangerosité du premier groupe n'est qu'une vue de l'esprit. Un petit peu difficile à avaler. La seconde escroquerie tient à l'utilisation en tant que preuve dans le discours d'un concept sans substance avérée. L'islam modéré. Qu'est-ce que l'islam modéré ? Cet islam, censé être rassurant et acceptable, est un concept médiatique récent, uniquement présent en Occident. À ce jour, aucune définition précise de ce qu'est l'islam modéré n'existe. Où sont, en effet, les preuves de son existence, alors que les musulmans eux-mêmes n'emploient pas le terme et le trouvent insultant ? Qu'est-ce qui a été récemment modéré, donc officiellement enlevé ou modifié, dans le Coran ou la doctrine islamique ? Cette doctrine, telle qu'elle peut être définie par des autorités incontestables, comme l'université Al-Azhar en Égypte. Où sont les Corans modérés ? Où sont les ulémas et les livres doctrinaux de l'islam, ces livres modérés servant à l'enseignement dans les mosquées ? Quand et où a-t-on supprimé de la doctrine musulmane officielle le djihad, la lapidation, l'obligation du voile islamique, l'exécution des apostats, de ceux qui quittent l'islam ? Quand cela a-t-il été supprimé ? Par qui ? Or, si finalement l'islam modéré ne se révèle être qu'une appellation creuse et sans substance, la dichotomie entre islam radical et islam modéré tombe, elle disparaît. Que reste-t-il ? Eh bien, il reste quelque chose. Il reste une ligne de fracture. Une ligne de fracture parfaitement visible quand on ouvre les yeux et qu'on décide de regarder la réalité en face. Cette ligne de fracture, eh bien, c'est la ligne de fracture qui existe entre les individus et les organisations qui font la promotion de la charia et toutes les autres. La ligne rouge de la radicalité, dont on va parler cet après-midi, cette ligne rouge de la radicalité, c'est la charia. Elle est placée sur la charia. Soit vous êtes pour la charia, et donc vous êtes un radical, et vous êtes un islamiste. C'est la même chose. Alors vous n'êtes pas forcément violent dans ce cas. Il ne faut pas confondre avec un islam violent. Vous pouvez être un radical et un promoteur de la charia sans tuer personne. Mais dans ce cas, même si vous n'êtes pas violent, vous êtes un ennemi de la démocratie et des droits de l'homme. De manière constante, vous tentez d'introduire un à un les éléments de la charia là où vous vivez. Dans un premier temps dans votre famille, puis localement, autour de vous, et puis finalement à l'échelle du pays. La culture du pays dans lequel vous vivez ne vous inspire pas beaucoup de choses positives, voire vous dégoûte carrément, et vous aspirez à l'instauration d'un ordre social basé sur les règles de la charia. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas pour la charia, et bien dans ces cas-là, vous avez la capacité pleine et entière de vous insérer harmonieusement au sein d'une société qui respecte les libertés d'autrui, les droits d'autrui. Vous n'êtes ni un danger pour la démocratie, ni pour les femmes, ni pour vos voisins. Je le répète, la ligne rouge est là, et pas ailleurs. C'est la charia, la ligne rouge. Quelle question faut-il alors se poser sur l'apparition progressive de règles de la charia dans l'espace social, politique et culturel de notre société ? Quelle question faut-il se poser sur les acteurs de cette apparition ? Sur leurs liens avec des intérêts étrangers et sur leur motivation. Quelles questions faut-il se poser sur la légitimité et la souhaitabilité des activités promotrices de la charia dans notre société ? Quelles questions faut-il se poser sur le devoir de protection de nos pays ? Ce devoir de protection que nous avons à l'endroit de nos citoyens, et particulièrement de nos citoyennes musulmanes. Face aux tentatives de contrôle sociétal effectuées par les promoteurs de charia de tous ordres. Et enfin,
Quelles questions faut-il se poser sur l'utilisation et le dévoiement des règles de notre démocratie et des droits qu'elle donne par les ennemis de la démocratie? N'y a-t-il pas là des failles béantes à combler, des leçons à tirer ici, ici et maintenant, de l'agonie de la laïcité turque, mais aussi des entreprises de subversion réussies des frères musulmans dans toute l'Afrique du Nord?